Et le voici, le voilà, Crécadoire. La course que vous avez vue, c'est celui de sa star, de son meilleur produit, Footpad, qui a gagné je ne sais combien de groupes 1 pour Willy Mullins et qui a monté la côte de Cheltenham comme moi j'enfile un slip le matin, c'est-à-dire très facilement. Premier étalon qui fait partie des premiers étalons du Rat de la Tricolère, donc chez Jérôme et Didier Marion. Un excellent cheval de course gagnant des Locking Stakes et donc qui est déjà très confirmé en obstacle avec ce fleuron Footpad, un exceptionnel champion. Le frère de Yum Zayn, qui a lui-même été un cheval de course extraordinaire, placé à de nombreuses reprises de l'Arc de Triomphe. Crécadoire s'est aussi produit en plat. Et il y a eu Lolly Flight aussi chez Gabby Linders, qu'on a vu, qui était deuxième de liste d'Apo, qui a fait l'arrivée de belles courses à Auteuil et Compiègne toute l'année. Voilà, un étalon très confirmé, 1m66, un fils de King's Best, qui est un sang assez améliorateur pour l'obstacle, avec une mère Sadler's Wealth. Bref, les grands de ce monde. Crécadoire sera donc le premier étalon, l'un des deux premiers étalons du Rat de la Tricolière de Jérôme et Didier Marion, un cheval à redécouvrir qui faisait la monte en Normandie jusqu'ici. Des produits qui ont été exportés en Irlande, évidemment, suite au grand succès de Footpad. Donc le meilleur est encore à venir avec Crécadoire qui, vous le voyez, est en pleine forme. Voici pour Crécadoire, proposé à 3500 euros cette année du côté de Saint-Quentin-des-Mauges.